Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet enregistrement. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, là on teste deux marques cette semaine. Donc enregistrement sur Twitch le dimanche. Alors c'était pas à 16h parce qu'il y avait du foot, donc on est passé à 14h. Et enregistrement de deux marques, on va commencer par la première marque, c'est des marques de fringues avec la marque Teeny Spark. Ok, et ensuite on fera un autre enregistrement qui sera la vidéo de samedi pour ceux qui regardent ça sur GVideo, qui sera la Watch Ultra X8. Voilà, une montre qui ressemble forcément à celle que tu connais, à 35€, que j'ai testé depuis 3-4 jours. On va tout parler du sport, du truc, voilà. Ça va être bien complet, étonnamment, c'est pas un petit déballage de merde. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage, enfin tout de suite pour la présentation de la marque Teeny Spark. Allez, découvrons un peu le site web Teeny Spark, j'aime bien le nom. Voilà, Teeny Spark, official store. Et là, encore une fois, on est... On est dans le dur. On est sur du boys band. On est sur du coréen. On est sur du jeune. Voilà, jeune, branché, dynamique. C'est tout moi. Oh, j'aime beaucoup celui avec les Doberman là. Alors moi, le problème, c'est que j'habite en Asie. Que c'est vrai que là, encore, il commence à faire froid l'après-midi. Il fait que 27 degrés. Eh, il y a le vent. Je sais pas. Il y a un froid qui vient de Chine là. Tout voilà, pour mettre des pulls et tout. Voilà, c'est grand. Je les mettrai pas. On se bouge plutôt de t-shirt casquette. Voilà, il y a plein de t-shirts à capuche qui sont très sympas, tête de mort, bon c'est moins mon délire, bon, celui avec les Doberman, j'aurais pris Doberman d'ailleurs avec Vincent Cassel, un film incroyable, qui est pas tout jeune, on est d'accord, mais qui est bien, il y a les t-shirts, oh, putain, les t-shirts sataniques et tout, voilà, Iron, pas Iron Maiden, mais un peu, oh avec les têtes de mort en bas, j'étais pas allé jusque là, j'ai peur, non, moi, je pense que des fois ils remettent à jour leur page, et le short avec les flammes, bien évidemment, au cas où t'es... Le feu au IQ, puisqu'on va pas y aller comme ça. Bon, allez, on va déballer les premiers articles que j'ai achetés. Tchou ! Allez, on commence par le premier article qui est bien évidemment une casquette, puisque je suis un homme à casquette. Je suis aussi un homme à lunettes, mais malheureusement, la blague... homme à lunettes, homme à lunettes, homme à lunettes. Alors, j'ai eu peur que ce soit les têtes de mort et tout, là. J'ai quand même flippé. Alors, elle est plutôt jolie, cette casquette. Elle est plutôt travaillée. Combien elle vaut ? Oh ! 11,68€. Elle est pas chère. Elle est... Alors, j'ai pris... Comme dirait Richard, je pense qu'elle est moins moche. Sur le site, des trucs qui pouvaient me plaire un peu. Une petite casquette, un peu usée, un peu travaillée, vous voyez, un peu coupée et tout ici, comme ça, c'est pas mal. À l'intérieur, oh, made in China, les salauds. Oh, une marque chinoise fabriquée en Chine. Ça, c'est étonnant. 100% coton, à ne pas confondre avec la 100% coton. J'adore cette blague, la 100% coton. Vous voyez là, le premier qui commence à la répéter en disant coton ou coton. 100% coton. Moi ça me fait rire, voilà. Bon, c'est bien, elle est un peu usée comme ça. Bon, ça fait un peu des petits yeux, là. Moi, j'aurais fait un truc un peu... voilà. Je la trouve très sympa, encore une fois. On va l'essayer tout de suite. Putain, mais comment ils font pour les envoyer comment à ma taille? C'est, ils trichent, c'est pas possible. Ou alors, j'ai une tête standard, c'est ça. Tête de con aussi, mais une tête standard, voilà. Bon, à l'envers... Putain, elle est super classe, hein. Ah, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, mais... Putain, ouais, bien. Elle manquerait un petit peu de... Oh, super sympa, hein. Vraiment, Ah ouais, on va regarder un peu sur le site. Tchou, allez, on revient sur le site. Ah ouais, mais elle est en promo, c'est pour ça, là. Parce que normalement, elle était à 21,23€, mais là, rien que pour vous, monsieur, madame, si vous commandez aujourd'hui, vous l'aurez à... Non, j'en ai aucune idée, ça va être le prix un peu normal. 11,68€, disponible en bleu, en green, en red, j'allais dire rose, mais non, c'est red, en gray, voilà, et en ce qui doit être la mienne, qui doit être, alors c'est pas gray, ça c'est blue. Voilà, taille unique, tu risques pas de te tromper dans les tailles. Coupon vendeur, putain, il y a un coupon de 4,81€. Alors, je sais pas, ceux qui voudront la commander, si vous arrivez à avoir 11,68€ moins 4€ de coupon, bravo. Bah, je dis bravo, ça fait un bon prix. Livraison gratuite, nanana, moi j'ai bien mis livraison en France. Vous voyez, alors il m'a mis arrière sur Vallonnet, je sais pas du tout où c'est, mais voilà, c'est bien en France. On retrouve bien notre casquette, brun, hein, la taille, un peu usée tout. Elle est très très classe et je la trouve pas excessivement cher. Voilà, 11€ pour une casquette. Si en plus, vous pouvez gratter 4€ de remise. Alors là, par contre, c'est la teuf. Fais voir à l'intérieur. Est-ce qu'elle est aussi... Oui, c'est vrai, parce que la mienne, elle est à l'intérieur, elle est noire. Oh, elle est bien, celle-là. Ah, j'aime bien. Elle est super confortable et tout. Mais elle est moins flashy que l'autre, où il y avait quand même le bleu, tout comme ça. Je suis jeune, ok. Et beau, bien évidemment. Ça, c'est... On n'est pas obligé de le dire. Pas vantard. Je suis jeune, donc forcément, ah, ça me dérange pas. Mais je suis plus, voilà, vieux usé. Ça me correspond un peu plus. Même si, voilà, mais vieux usé quand même. Voilà, vieux usé, un peu fatigué. Voilà, quoi. C'est un peu moi. Bon, ben voilà pour la casquette. Moi, je la trouve plutôt bien. Vous me direz dans le chat ce que vous en pensez. Et ceux qui regardent ça en replay sur YouTube, vous me direz en commentaire. Allez, et on finit maintenant par notre deuxième produit. C'était un t-shirt. Et j'ai pris un t-shirt plus en taille L, bien évidemment, puisque normalement, je taille L.
même si je suis extrêmement musclé, en plus d'être beau, intelligent et modeste. Mais elle, généralement, ça va. Je sais pas, j'ai une grosse perte de poids, je tombais à 81 kilos. J'en faisais 89 hein, en début d'année, quand même, voilà. Donc, comme quoi, voilà, quand on veut, on pneu. Hein, donc, 81 kilos, là, en théorie, elle, ça va. J'ai pas des bras de psychopathe, j'ai des petits bras, quoi, toi, donc ça rentre dedans. Donc, j'ai pris elle et tout. Tout de suite, ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est que, waouh, le logo, tout de suite, waouh, un peu japonais, avec le dragon comme ça, nanananana. Oh merde, il y en a derrière. Alors, à l'avant, il est terrible. La qualité, elle est, putain, d'enfer. Ça, c'est de la coton, c'est sûr. Alors, wash on iron, on reverse, voilà, donc bien mettre à l'envers et tout, 100% coton, ou 100% coton. Oh, il est super quali, hein. Waouh, la matière, la taille, pas de loin, on est pas de loin de ça, ouais, c'est bon, ça c'est pas mal. Et alors, du coup, alors à l'avant, stand, heighter, and see, fighter, ok. Et à l'arrière, oh, putain, je l'avais oublié. Waouh! Et je pensais qu'ils allaient mettre exactement la même chose, mais en grand. Et à l'arrière, non, t'as Stone Lion. Putain, il est terrible. C'est Avatar version Godzilla, là. Avec les oiseaux, le dragon un peu style Godzilla, la mer et tout, Art Lone, Stone Hunter and Sea Fighter. Il est incroyable. En plus, c'est moi qui l'ai commandé. Je l'avais vu sur le site, mais bon, après, encore une fois, vous allez voir sur le site, ça rend pas grâce au t-shirt. Voilà, sur le site, c'était comme ça. Ça avait l'air pas mal. C'est vrai que je les ai commandés il y a plus d'un mois, parce que ça fait au moins 2 mois que je les ai commandés. Il a fallu presque un mois pour que ça arrive. Ensuite, je les ai mis là dans les sacs et je voulais absolument pas les ouvrir pour garder la surprise des tailles et un peu du design et tout. Mais alors, waouh, le site web ne lui rend pas honneur, parce que en vrai, il rend carrément mieux. Après, sur moi, mais bon, lui, il est taillé dans une allumette, donc ça va, tu vois, voilà, ça. En noir, pas mal, en bleu, en rose. Voilà. Vous êtes plus que trois, dis donc, et tout le monde est parti, tout le monde a rien à branler. Tu vois, c'est de la merde, ton truc. La montre, c'est après. Revenez dans 10 minutes, voilà. Bon, allez, on va faire l'essayage tout de suite, et on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre les commandes. Et voilà, me voilà. Putain, il est là. Oh, il est super, waouh, ils n'avaient pas vu, regarde, ils avaient caché un truc derrière, là, fighting, ils avaient caché un fighting dessous, là, ça va et tout, ah, pas mal, on va se mettre en plein écran, on va se mettre là, waouh, il est violent, hein. Ouh, j'aime beaucoup, c'est juste, putain, c'est un de mes, de toutes les merdes que j'ai achetées, pour l'instant, c'est mon préféré, hein. Vous me direz en commentaire, mais là, par contre, ça en jette, mais pour moi, ça rend mieux en noir, peut-être, oui, mais alors moi, je ne porte plus de noir en Asie. La couleur noire sur un t-shirt attire la chaleur et quand il y a en plein soleil, je peux dire ton t-shirt noir, il commence vite à devenir chaud, à brûler. Et quand tu habites dans un pays comme moi où il fait entre 35 et 40 degrés, presque quasiment à l'année, bon bah on évite, vu le soleil qu'il y a en ce moment, de mettre du noir. Je le trouve exceptionnel. Je suis désolé, mais vous me direz en commentaire, les trois qui sont là, si vous n'êtes pas trop timide, je crois qu'il n'y a que Shadow. Les autres, ça doit pas être... c'est pas, ils font pas partie du club. Petit club de l'arc-en-ciel. Je suis très content. 19,31€. Franchement, 19,31€. Encore une fois, vous pouvez gratter peut-être un coupon de 4€. Alors, si t'achètes les deux, ça fait 30 balles. Non, t'es éligible à rien du tout. Ça fait que 2€. C'est minable. Imagine 2€ pour 60 balles. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de coupon. 19,31€ pour du 100% coton et brodé comme ça un petit peu. Il est très différent par rapport à tout ce que j'ai pu... à commander déjà sur AliExpress dans les marques officielles et même dans les t-shirts que j'en ai pas des je te fais voir un peu derrière comme ça j'en ai pas je parle au mur j'en ai pas des aussi sympathiques que ça avec le Godzilla et tout là je suis très dommage demain je le mets c'est mon t-shirt de demain c'est officiel je comme un gamin je dors avec je le garde ce soir je dors avec demain je me lève je l'ai et je le garde pendant une semaine sans le laver, sans rien. Après, je le mets, il tient tout seul, tout droit, en exhibition. Voilà. Bon, le produit est plutôt sympa, encore une fois. Quand on regarde le prix, bon, bah, 19,31€. Disponible S, M, L, XL ou double XL. Moi, je dis encore une fois, je taille plutôt L. On a vu que la dernière fois, il y avait un t-shirt qui était beaucoup trop... un peu pselé qui a le poisson, qui était peut-être taillé un peu petit. Et encore, c'était moulant, près du corps. Après, bon, bah, l'autre K-pop, là, en forme de pyramide, là, il était quand même... bien, mais il fallait quand même porter un peu large. Là, on voit que elle, c'est ma taille. C'est parfait, je suis content.
Tchou! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu me diras en commentaire le produit que tu préfères le plus. Est-ce que pour toi, c'est la casquette? J'aime beaucoup la casquette, même si elle n'a pas d'effet waouh par rapport au t-shirt. Toi, si on devait dire, bon, la casquette, elle est pas mal, elle est bien finie, elle n'est pas excessivement chère et elle a plutôt un joli design. Donc bien, la taille est bonne, le design, il est incroyable, la qualité en coton, très très bien et tout. À l'avant, on a un logo qui est, oui, qui est seulement le même qu'à l'arrière, mais on n'a qu'une partie du logo, en fait, ouais. Donc pour moi, ça sera, bonjour. C'est moi, cool. Pour moi, ça sera le t-shirt en premier et la casquette en deuxième, puisqu'il faut donner un petit classement. Ainsi se termine l'enregistrement de cette première émission, qui sera l'émission de mercredi. On va attaquer la deuxième partie, qui sera la montre X8 Ultra. Pour ceux qui voudraient déjà l'avoir avant samedi, vous pouvez l'avoir sur Twitch, en replay, normalement, pendant au moins 15 jours. Et les autres, bah, vous trouverez la vidéo cutée directement vendredi. Prenez samedi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je donne rendez-vous pour ceux qui sont en live tout de suite.